Chers enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la leçon 16 de l'école du dimanche des adultes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves cette année. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Joyeux mois de décembre 2022 et par la foi et la grâce de Dieu, je vous souhaite joyeux Noël et bonne et heureuse année 2023 d'avance au nom de Jésus-Christ. Je demeure votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. Leçon 16. Cette leçon sera enseignée le dimanche 18 décembre 2022. Et le titre de la leçon, c'est « La direction et la guidance divine ». La direction et la guidance divine, première partie. En prière d'ouverture, prions. Père, fais que mon esprit soit en relation avec toi tout le temps, au nom de Jésus-Christ. Père, fais que mon esprit soit en relation avec toi tout le temps, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En leçon d'aujourd'hui, en ouverture et en passage biblique, le passage biblique est tiré du livre de Somme 37, 3 à 7. Somme 37, 3 à 7, et dit, « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'air, et ils ne se flétrissent comme, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira, et il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Que Dieu nous aide à comprendre ce passage biblique. Ce passage biblique est d'actualité. N'enviez pas ceux qui sont partis écourter leur vie pour avoir les richesses, pour pouvoir vivre pour le moment. Et pour peut-être vivre pendant peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Parce qu'ils ont vendu leur destinée à cause de l'argent. Pour avoir toutes les richesses du monde, pour avoir toutes les maisons du monde, pour avoir toutes les voitures du monde, mais ils vivront. C'est ce qui se passe dans le monde entier à l'heure actuelle. N'enviez pas les méchants. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Un verset à mémoriser. La Bible nous dit dans le Somme 32, 8. Somme 32, 8. Je t'instruirai. Et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Somme 32:8. Somme 32:8. Ça, c'est super comme passage biblique pour essayer d'étayer le titre de la leçon, la direction et la guidance divine. En introduction de la leçon, la direction divine consiste à se laisser diriger par Dieu. Être dirigé ou guidé par Dieu est un élément essentiel pour les chrétiens. C'est le seul moyen d'accomplir la volonté de Dieu lors de nos prises de décision. Dans 2 Rois 3:11, mais Josaphat dit, N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Ainsi, nous devons apprendre les voies par lesquelles Dieu dirige et guide son peuple. De plus,
dans cette dispensation, dans cette ère, la direction et la guidance du Saint-Esprit sont à la fois inévitables et indispensables, puisque le monde dans lequel, le siècle dans lequel nous vivons, est un siècle méchant, cruel. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Le journal de l'enseignant n'est pas à être enseigné dans la classe. C'est ici que l'enseignant doit comprendre comment enseigner la leçon. Nous voulons enseigner aux élèves les chemins de la direction divine et comment les reconnaître. Et dans l'objectif de l'enseignant, l'enseignant doit faire participer tout le monde, l'enseignant assistant, les élèves, et ils doivent lire les passages, les mémoriser, et l'enseignant principal doit enseigner la leçon et veiller à conclure la leçon en bon temps. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. En revue du passage, ici, l'enseignant doit s'asseoir, les enseignants doivent s'asseoir et apprendre et étudier ce passage biblique en profondeur pour qu'ils puissent enseigner les élèves correctement, les élèves lors de la classe. Et il y a des pointillés, et à la fin des pointillés, il y a des passages bibliques. C'est à eux de s'asseoir et de lire le passage biblique, de l'étudier, de le comprendre et de trouver les idées qui se trouvent à la fin des passages bibliques et les mettre et remplacer les pointillés. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. En méthode d'enseignement, nous allons utiliser la méthode d'enseignement magistral ou des cours magistraux. En gestion du temps, il y a deux grandes lignes dans la leçon. Nous allons partager le temps d'enseignement qui nous est imparti entre les deux grandes leçons de la leçon. En grande leçon de la ligne de la leçon 2, 1. Les voies de direction et de guidance divine. Quelles sont les voies de direction et de guidance divine? Il convient de noter que Dieu, dans sa souveraineté, peut adopter un ou plusieurs moyens pour diriger et guider ceux qui mettent leur confiance en lui. En voici quelques-uns. A. Par la parole de Dieu. En 1 Samuel 3, 21, l'Éternel continuait à apparaître dans Shiloh, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Shiloh par la parole de l'Éternel. En point B, le Seigneur peut décider de nous révéler par le témoignage de l'Esprit. En Romains 8, 14 et 16, la Bible dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » En verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Dieu peut nous conduire par le témoignage de l'Esprit. Le témoignage de l'Esprit peut faire aussi la forme de paix de Dieu qui dépasse toute intelligence. Dans Philippiens 4, 6 à 7, la Bible dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Dieu, la direction divine et la guidance divine peuvent nous être données par la voie de l'Esprit. C'est plus qu'un simple témoignage, c'est une voix qui se fait entendre. En point 1, cette voix peut être intérieure, ce qui signifie que personne d'autre autour de vous ne l'entend. La Bible l'appelle un murmure doux et léger, un murmure doux et léger, comme le son d'un doux murmure. 1 Rois 19, 12. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. En point 2, parfois, la voix vient au milieu d'une pensée pieuse. Acte 10, 19. Et quand Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici trois hommes te demandent. » Trois hommes te demandent. En point 3, la voix de l'Esprit peut être aussi extérieure. Auquel cas, vous regardez autour de vous comme si vous aviez entendu ou
entendu, comme si vous aviez entendu, ou quelqu'un d'autre avait entendu ce que vous entendez dans Actes 9, 3, 5, Actes 9, 3, 5, comme il était en chemin et il s'approchait, qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dû de rejeter contre les aiguillons. En point B, pas des révélations, des rêves, des visions, des trans. Dans Joël 2, 28, la Bible dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes des jeunes gens des visions. » En point 1, les rêves peuvent provenir de votre pensée. Ecclésiaste 5:3, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles, ou du diable, effrayant ou tourmentant, cauchemar ou de Dieu, éclairant, instructif ou révélateur. Dans Job 33, 14 à 17, la Bible dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Je prie pour vous qui écoutez cette vidéo ou cet enseignement. Tout mauvais rêve, songe et révélation et vision que vous avez eu et qui tend à détruire votre destinée, que le Seigneur détruise ces mauvais rêves par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Les rêves surviennent lorsque vous êtes complètement endormi, le jour ou la nuit. La vision peut survenir lorsque vous êtes éveillé et que vous voyez quelque chose comme une image fixe ou animée, le jour ou la nuit. Dans Daniel 2:19, la Bible dit, « Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. » Dans la transe est comme, une, comme la, le moyen entre un rêve et une vision. La transe est comme la moyenne, le milieu entre un rêve et une vision. Vous êtes à moitié éveillé et à moitié endormi lorsque les sens physiques semblent être suspendus. Dans Actes 10, 10 à 11, la Bible dit, « Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. » En point E, pas des situations ou des circonstances ordonnées. Des situations ou des circonstances ordonnées. Dans Jérémie 18, 1 à 6, la Bible, la parole nous en parle là. Il faut lire ça pour vous-même, par vous-même. Et aussi dans Proverbe 24, 30 à 34. Il faut lire ça par vous-même et Dieu vous donnera l'entendement au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu peut vous prendre par ou à travers un événement pour vous donner une direction claire pour votre vie. En point F, par des déclarations et des confirmations prophétiques. Osée 12, 10. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Amen. Cependant, les croyants sont mis en garde contre le fait de vivre à la merci de la prophétie,
La meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. La meilleure prophétie, c'est la Bible. Ça, c'est la meilleure prophétie. C'est pourquoi la Bible nous met en garde, nous avertit. Dans 1 Jean 4, 1, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il faut faire attention avec les prophéties. Dans le point G, par divers moyens selon ce que Dieu considère utile. En activité de classe 1, les élèves doivent partager avec la classe les méthodes de communication ci-dessus, ce qu'ils ont expérimenté avec Dieu. En grande ligne de leçon 2, reconnaître la direction et la guidance. Comment pouvons-nous reconnaître la direction et la guidance divine? En point A, le Saint-Esprit joue le rôle de guide et de conseiller, nous conduisant dans la voie que nous devons suivre et nous révélant la vérité de Dieu. En Luc 12:12, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. En point B, l'une des façons les plus importantes de reconnaître la guidance du Saint-Esprit est de se familiariser avec la parole de Dieu. Josué 1:8 nous parle de méditer, d'étudier la parole de Dieu jour et nuit. En point 1, la Bible est la source ultime de sagesse sur la façon dont nous devons vivre. Dans 2 Timothée 3:16, la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et les croyants doivent sonder les écritures, selon Jean 5:39. Vous sondez les écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les chrétiens doivent méditer et mémoriser la parole de Dieu, les écritures. Dans le psaume 1:2, la Bible dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La parole est l'épée de l'esprit. Éphésiens 6:17. La parole est l'épée de l'esprit. Éphésiens 6:17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et l'esprit l'utilisera pour nous parler. Dans Jean 16:12-14, la Bible dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous les annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera afin de révéler la volonté de Dieu pour nos vies. Il nous rappellera également des écritures précises au moment où nous en avons le plus besoin. Dans Jean 14:26, la Bible dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. En point A, ainsi, nous devons toujours mettre nos pensées à l'épreuve des Écritures. En effet, le Saint-Esprit ne nous poussera jamais à faire quelque chose de contraire à la parole de Dieu. 1 Corinthiens 14:33 nous dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, comme dans toutes les églises des saints. Si elle est en contradiction avec la Bible, alors elle ne vient pas du Saint-Esprit et elle doit être ignorée. En point 1, c'est également nécessaire que nous soyons continuellement en prière avec le Père. 1 Thessaloniciens 5:17 dit, priez sans cesse.
En point 2, cela permet non seulement de garder nos cœurs et nos esprits ouverts à la direction du Saint-Esprit, mais aussi de nous permettre, de permettre à l'Esprit de parler en notre nom. Dans Romains 8, 26 à 27, Romains 8, 26 à 27, la Bible dit de même. Aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce que nous convient, ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Dieu soit loué au nom de Jésus-Christ. En activité de classe 2, la classe doit discuter davantage sur la manière de reconnaître la direction et la guidance divine. En résumé, bien qu'il soit important pour les croyants d'être dirigés par Dieu, il est beaucoup plus important de savoir comment Dieu dirige et comment reconnaître sa guidance. En conclusion, si vous n'êtes pas dirigé par et dirigé et guidé par Dieu, vous allez errer et vous perdre dans le désert de la vie. Laissez Dieu vous guider. Laissez Dieu vous guider par sa parole, par son Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. En évaluation, l'enseignant doit demander aux élèves d'expliquer ce qu'ils entendent par direction et guidance divine. En prière de clôture, Père, que le Saint-Esprit me dirige et me guide toujours au nom de Jésus-Christ. Père, que le Saint-Esprit Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En devoir, mentionner 5 dangers d'ignorer la direction et la guidance divine. Mentionner 5 dangers d'ignorer la direction et la guidance divine. Que Dieu vous bénisse de nous avoir écoutés au nom de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, faites-le maintenant, puisque demain pourrait être trop tard. Faites-le maintenant. Dieu vous pousse, vous êtes en train de vous donner des petits fouets là, pour que vous puissiez donner votre vie à Jésus-Christ. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie et que vous fermez votre yeux dans la mort, vous aurez directement un enfer. Mais Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes, il a créé l'enfer pour Satan. Le ciel, c'est pour vous. Donnez votre vie à Jésus-Christ, acceptez que vous êtes pécheur, confessez vos péchés, et recevez Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur et Sauveur et Maître personnel, et vous serez en route pour le ciel au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine, bonne étude, bonne écoute au nom de Jésus-Christ. Amen. À tantôt. Au revoir.